miracle est là. Your miracle ton CD est là. Ta prospérité est là. Ta maison est là. Ta promotion est là. Ton succès est là. Ton ministère est là. Mais le problème c'est quoi? L'église est impolie. Nous avons des gens impolis dans nos églises. C'est pour cela le maître doit les éduquer. Has to educate them. While telling them, choisir la bonne part. Je suis ici. I am here. Comme un éducateur spécialisé. Like a specialized educator to bring you to a good worship. Là, tu vas atteindre le niveau. And when you reach the level, qui Dieu est. To see what to understand. 2 Samuel chapitre 6. On va faire quand même une longue lecture, mais compartimentée. We'll read a long text, but in portions. On va d'abord prendre à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. We'll take from verse 1 to verse 11. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Baal-Jida pour faire monter l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char 9 l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Isa et Archon, fils d'Abinadab, conduisaient les chars 9. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Isa marchait à côté de l'arche de Dieu et Archon allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois et de cypre, de harpe, de luth, de tambourin, de sistre et de cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nakom, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et les saisit parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourit là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment, et ce lieu a été jusqu'à ce jour péré Uzza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit : comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la conduire dans la maison d'Obed-Edom. Des Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom des Gath, et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Amen. Amen. On va prendre encore à partir du 13e verset. From verse 13. On va aller jusqu'au verset 17. And we go to verse 17. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était saint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de trompette. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sautait et dansait devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre encore 1 Chronique 15:15 pour clôturer. We'll read 1 Chronicles 15, verse 15. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leur épaule avec deux barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous sommes en train de parler sur quand Dieu veut te faire sortir de l'anonymat. Actually, the thought was when God wants to take us out of our anonymity. Ici, nous allons voir que David sort de l'anonymat. When David was taken out of his anonymity, il atteint les sommets. And he reached the summit. Il atteint les combles. And he reached the peak. Et on voit qu'en Israël, la situation était paisible. And we see that Israel was living in peace. David commençait à vivre dans la quiétude. And we see David living peacefully. Parce que l'Éternel avait éloigné ses ennemis et lui avait donné les repos de tous côtés. Because the Lord put away all his enemies. Quand vous lisez 2 Samuel au chapitre 5, when you read 2 Samuel 15, à partir du premier jusqu'au cinquième verset, from verse 1 to 5, vous allez remarquer combien Israël s'est réuni pour couronner et reconnaître la royauté de David que Dieu lui avait donnée. You will see how all of Israel will gather to crown David as a king.
Et dans ce passage, la Bible mentionne très bien le parcours de David qui était scindé en deux concernant sa royauté. And you see in this portion how David's path was towards his royalty. La Bible déclare il a régné pendant 7 ans à Hébron. The Bible says that he reigned over Hebron là for 7 years. Là où il était roi de Juda. Where he was the king of Judah. Et après il a régné. And then he reigned pendant 33 ans for 33 years in Israel. Ça lui a permis d'avoir une royauté de 40 années. So in total he had a royalty of 40 years. Mais c'est quand même bizarre. But it is still strange. Comment les dieux qui lui a parlé? How the God that spoke to him? Dans 1 Samuel au chapitre 16. In 1 Samuel 16. À partir du 11e jusqu'au 13e verset. From verse 11 to 13. Le dieu qui lui a dit. The God that told him. Qui a dit qu'il fallait le oindre d'huile. He was told that he has to be anointed with oil. Pour qu'il devienne le roi d'Israël. To become the king of Israel. Ne permet pas. But how does this God not allow? Qu'il devienne tout de suite roi d'Israël. How does he not allow him to be the king straight away? Il le fait passer par la mort de Goliath. He has to go through the death of Goliath. Il a tué Goliath. He killed Goliath. Et après cela, and after that, il était porteur d'armes de Saül. He was the armor bearer of Saul. On peut le voir dans 1 Samuel au chapitre 16. And we can see it in 1 Samuel 16. Comment est-ce que cet homme how this man est en train de connaître les progrès? Was progressing. Au chapitre 17, in chapter 17, du livre dans Samuel, in the first book il of Samuel, tue Goliath. He kills Goliath. 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel 18. À partir du premier verset, from verse 1, on commence par dire qu'il avait une conversation avec Saül. We've been told that he had a conversation with Saul. Et après cela, and after that, l'âme de Jonathan s'attacha à lui. The soul of Jonathan was attached to him. Et quand vous regardez très bien 1 Samuel chapitre 18, and if you look carefully at 1 Samuel 18, vous allez remarquer encore que la Bible dit ceci. You will notice that the Bible says this. Il était en train de connaître les succès par rapport à ce qu'il faisait. He was being successful in what he was doing. Il allait et retournait. He would go and come back. En connaissant un grand succès. While being very successful. Alors qu'est-ce qui s'est passé? So what happened? On lui a confié des responsabilités. He was trusted with les more responsibilities. And women started to sing. David a tué ses 10,000. David Saül killed his 10,000. While Saul killed only 1,000. Dieu ne lui a pas donné sa royauté. But God still did not put him into his royalty. The royalty that was promised to him. Écoutez. Listen. Aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on aille doucement. Today I will want us to go slowly. Lorsqu'il était roi. When he was anointed, dans 1 Samuel chapitre 16, in 1 Samuel 16, 11 à 18, 1 to 18, les commentateurs disent ceci, the commentators say this, qu'il avait quasiment 17 ans, that he was around 17 years old. Lorsqu'il tue Goliath, and when he kills Goliath, un petit moment était passé, a short while passed, il pouvait avoir 19 ans, he might have been 19, mais la promesse il a reçue à 17, but the promise was received when he was 17. Quand il devient roi en Juda, when he becomes a king in Judah, il avait 30 ans, he was 30. Dieu permet qu'il grandisse. God allows him to grow. Bien que c'est lui qui était le libérateur d'Israël en tuant Goliath. Although he was the liberator of Israel by killing Goliath. Mais quand il devient roi de Juda à 30 ans, but as he becomes the king of Judah at 30, Dieu lui donne seulement deux royaumes. God only gives him two kingdoms. Deux villes. Oh, two towns. La tribu de Juda. The tribe of Judah. Et la tribu de Benjamin. And the tribe of Benjamin. Entre-temps, in the meantime, pendant 7 ans, for 7 years, en Israël, in Israel, il y avait l'un des fils de Saül qui était devenu roi. There was one of the sons of Saul that became a king. Isboshet. C'est écrit dans 2 Samuel chapitre 4. It is written in 2 Samuel 4. Mais la Bible dit. But the Bible says. Isboshet était devenu roi que pendant 2 ans. Isboshet was only a king for 2 years. Et là, ça sous-entend qu'il y a un vide. And we can suspect that there was a empty spot of 5 years. Qui était roi? Who was a king during that time? Je reviendrai sur ça. I will come back to it later. Mais Dieu ne lui donne pas la royauté. But God still does not give him the royalty Israël. In Israel. Quelques temps après, after a short while, pour David, ça lui a pris 7 ans. For David, it took him 7 years. Où il régna seulement sur deux tribus. Where he only reigned over two tribes. Après, Dieu lui donne la royauté d'Israël. And after that, God gave him the royalty over donc, Israel. Donc, ça veut dire ceci. Which means that Dieu, God, pour me bénir. In order to bless me, in order to bless you. Quand il te sort de l'anonymat, when he takes you out of your il anonymity, fait ce travail au fur et à mesure. He works step by step. Il regarde aussi l'état de ton cœur. He also looks at the state of your heart. Comment tu fonctionnes? How you function? Comment tu vis? How you live? Comment tu peux gérer la gloire? How you can manage your glory? La problématique avec Dieu. And the problem with God is. Ce n'est pas la gloire. It is not the glory. Mais c'est plutôt la gestion de la gloire. But it is the managing of that glory. Pour comprendre que la gloire, to understand that the glory est progressive dans la vie d'un homme, is progressive in a man's si life. Vous lisez Exode 33, if you read Exodus 33, verset 18, si je ne me trompe, verse 18, if I'm not mistaken, Moïse est en train de demander à Dieu, Moses asks God, show me the glory. Montre-moi la gloire.
Montrez-moi la gloire. Show me the glory. Montrez-moi la gloire. Show me the glory. Mais Moïse avait vu la gloire. But Moses saw the glory. À cet temps, Moïse avait déjà libéré Israël. At that time, Moses had already liberated Israel. À cet temps, Moïse avait déjà utilisé les bâtons. He already used the staff. Pour séparer la mer en deux. To separate the sea. Exode chapitre 17. Exodus 17. Dans la bataille avec les Amalécites. In the fight against the Amalekites. Il se tient à la brèche. He stands and. Le main levé. And Aaron et Hur. And has his hands lifted. Exode 33. But in Exodus 33, il demande la gloire de Dieu. He still asks for God's glory. Parce que la gloire est progressive. Because the glory is progressive. Maintenant, la qualité de la préparation. Now the quality of the preparation. Que Dieu a eu à faire avec David. That God took with David. Permet à David. Allows David. De développer une intimité avec Dieu. To develop an intimacy with God. De commencer à réfléchir autrement. And to start to think differently. C'est pour cela. And that is quand why, tu vois quelqu'un when you see someone qui n'a peut-être pas les standing de ta vie, that might not have your standing of life, Dieu les prépare. God is preparing this person. Ne te moque pas. Do not make tu fun of this person. Tu ne sais pas là où Dieu l'amène. You do not know where God is taking him. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Il arrive des fois on creuse notre propre tombe. It happens sometimes we are digging our own. Avec nos mains. Whole with our hands. Des fois avec nos mémoires. Sometimes with our notre memories. Manière de penser. With our thoughts. D'autres le font avec leurs dents. Some people do it with their teeth. D'autres le font avec leurs pénis. Some do it with their. D'autres le font avec leurs sexual organs. Tout droit à la destruction. Straight to destruction. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Il y a un choix. There's a choice. Pour la destinée. For your destiny. En réalité, in reality, quand on définit la destinée, when we define destiny, on dit que c'est un plan préétabli par Dieu. We say that it's a pre-established plan by God. Si la destinée est un plan préétabli par Dieu, if the destiny is a plan that has been pre-established by God, on doit rester seulement à cette définition. If we only have to stick to that definition, je vous dirai, I will tell you, il n'y aura pas la part de l'homme. There will not be man's part. Connaissez le psaume 139? You know Psalm 139. Verset 16. Verse 16. On dit que nos jours sont écrits. It is said that our days are written. Cela veut dire ce que tu deviendras, c'est déjà écrit. Which means that what you will become is already written. Mais la parole. But the word. Se vérifie dans la parole. It is verified in the parole, word. And the word. C'est contredit aussi dans la parole. Can also be contradicted in parce the word. Parce que le Dieu qui appelle Jean-Baptiste. Because the God that calls John the Baptist. C'est le Dieu qui permet qu'on coupe sa tête. It is the God that allows his head to be cut off. Parce que le temps où il a où le père comme un maître, comme un grand. Because the time where he was working as a great. C'était une saison. It was a season. Le temps où on va lui couper la tête. And the time where his head will be cut saison. Off. It's another mais season. C'est la même personne. But it is the same je person. Dire, I only wanted to say. Je peux faire un choix comme on est là. We can make a choice as we are here. Si ce qui est écrit dans ces livres-là. If what is written in that book. Va arriver dans ta vie ou pas. Will happen or not. Il y a un choix à faire. There's a choice that has to be taken. Et c'est ce que David a été. And that is what David was. C'est ce qui exprime la tendance de dire c'est l'homme selon mon cœur. And that is why he is being called the man after God's l'homme heart. L'homme selon mon cœur. The man after maintenant, my heart. L'homme selon les cœurs de Dieu. And now the man after God's lorsque heart. Lorsque Dieu lui a donné les repos de tous côtés. When God gave him rest on all sides. Il regarde la situation de la nation. He looks at the situation of the nation. Il se dit qu'est-ce qui manque. And he said what dans is missing nation. In this nation. Il y avait un problème. There was a problem. Israël avait perdu l'adoration. Israel lost worship. Vous savez l'adoration? And you know worship. Quand on parle de l'adoration, when we talk about worship, on veut parler dans l'original, on veut parler du cultus. We're talking in the original of le latin cultus. Parle de cultus. The Latins talk about cultus. Qui veut dire l'action d'adorer. Which means the act of worship. Or adorer, but worshiping, c'est le fait de pouvoir reconnaître qui est Dieu. To worship is the fact to recognize who God is. Qui est Dieu? Who God is. Cela révèle son identité, sa personne. It reveals his identity, his person. Et en réalisant qui il est. And while realizing who he is. Cela nous permet de pouvoir savoir comment se comporter face à ce Dieu. It allows us to understand how to behave face to this God. Et que faire face à ce Dieu grand, glorieux et puissant. What to do face to that great and mighty God? Alors qu'est-ce qui se passe? So what happens? David regarde au temps de Saül. David sees that at the time of Saul. On n'a pas parlé de l'arche de l'alliance. We've not talked about the ark of the covenant. Vous savez, il y a des gens qui ont servi Dieu. You know, there are people that served God. Ils étaient forts. They were strong. Ils étaient puissants. They were mighty. Mais il manquait but they lacked quelque chose dans leur vie. Something in their life. Quand vous lisez
Juges au chapitre 13. When you read Judges 13. 14. 14. 15. 15. Et ça s'arrête au chapitre 16. And it stops at chapter 16. La vie d'une personne s'est éteinte. The life of a person stopped. Je voulais parler de Samson. I wanted to talk about Samson. Cet homme connaissait son devenir. That man knew his destiny. Il savait qu'est-ce qu'il allait devenir he après. He knew what he would become later. Vous savez, il y a des gens. You know there are avant people. Avant qu'ils naissent. Before they were born. On parle pour leur vie. We are already. There's already spoken about their lives. But there are other people. Viennent au monde. They come to birth. Les parents ne savent pas exactement. Qui deviendra and cet the, enfant? And the parents do not know what that child will become. C'est comme le cas de Samson. It is like the case of Samson. On a dit dans Juges chapitre 13. It is said in Judges 13. On a dit à ses parents. It was told c'est lui to his parents, qui commencera. He would start à délivrer Israël. To deliver Israel. Entre les mains des Philistins. Out of the hands of the Philistines. Il ne boira pas du vin. He will not drink wine. Ni boisson enivrante. He will not drink any il ne va alcohol. Pas se raser. He will not shave il his sera head. Fort. He will be strong. Sa force va se reposer sur l'alliance qu'il aura avec Dieu. And his strength will be he will rest on his covenant on with God. On savait comment il doit se conduire. And we knew how he had to ses conduct parents himself. Le savaient. His parents knew. Mais lui-même aussi il le savait. And he knew it himself. Mais il arrive des fois. But it happens sometimes. On sait. We know. Qu'on est made in Dieu. That we are made on in vient God. Vraiment de Dieu. We come from God. Et que personne ne peut and that no one can bring us down. Et on oublie l'alliance. But we forget about the covenant. Samson n'était pas un adorateur. Samson was not a worshipper. Il n'a jamais bâti un hôtel pour he Dieu. He never constructed an altar for God. Il gagnait des combats. He was winning battles. Mais il n'a jamais bâti un hôtel pour but Dieu. But he never constructed an la deuxième altar faiblesse for God. De Samson. And his second weakness. Il avait une faiblesse des femmes. He was weak towards women. Quand vous regardez son histoire. When we look at his story. Il n'a pris que 4 chapitres. That only lasted 4 forte chapters. Forte faiblesse des femmes. He had a strong weakness toutes towards women. All the people qui ont un instinct sexuel élevé that have a high sexual instinct ne peut pas aller loin avec Dieu. Cannot go far with God. Il avait une faiblesse des femmes. He was weak towards women. Mais il savait but he knew comment sera sa vie. How his life would go. C'est comme moi. And it is just as avant me. Que je vienne au monde, before I came to earth, le prophète avait dit the prophet said que Jeanne, tu auras un enfant. That Jeanne, you will have a child. Il sera serviteur de and Dieu. He will be a servant of il God. Va faire ceci. He will do this. Il va faire cela. And he will do that. Il y a peut-être certaines personnes ici. There may be certain people here. Avant que tu naisses, before you were ta born, mère avait fait un songe. Your mother had a dream. Avant que tu naisses, before you were born, peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait prophétisé. Maybe someone else prophesied. D'autres personnes non. Maybe other people c'est were pas not grave. In were not in that case. It mais doesn't matter. Mais je suis en train de parler des personnes qui savaient. But I'm talking about those people that knew. Leur devenir. They knew about their mais Samson future. N'est pas arrivé au bout. But Samson did not finish his course. À cause de son caractère. Because of his character. Et David pense. And David thinks. À cette merveilleuse chose. About this marvelous thing. Dieu au centre de toutes choses. To put God in, at the center of everything. Saül de même. Saul. Il a ramassé la royauté en chemin. He just found royalty in his way. Il est devenu roi. And he became a sans king. Sans qu'il soit préparé. Without being prepared. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel 9. Au chapitre 10. Chapter 10. Il cherchait les adresses de son père. He was looking after the lost sheep. Il rencontre la royauté. And he found royalty. Le peuple a demandé. And the people asked. Et Dieu t'a choisi. And God chose roi. You as a king. Sans qu'il soit préparé. But even though he was not prepared. Mais quant à David, but David, bien aimé, tous ces temps que Dieu te prépare, you know, beloved, while you're being prepared by God, pas. Maybe you're not working. Peut-être que tu cherches le travail. Maybe you're looking for a job. Sans trouver. Without finding peut-être any. Peut-être que tu n'as pas une vision claire. Maybe you do not have a clear vision. De ton devenir. Of your future. Tu te cherches. You're looking. Tu arrives à un point. You find yourself at a tu point. Dis, qu'est-ce que je dois faire maintenant? But you're asking what I'm supposed qu'est-ce to que do. Faire maintenant? What am I supposed to do now? C'est vrai, je suis chrétien. It is true, I'm a Christian. C'est vrai, je sers Dieu. It is true that I serve God. Mais maintenant, là où je suis. But now, where I am, que je dois faire? What am I supposed to do? Ce sont des moments pareils. And it is these kind of moments en nous that cultivate in us la connaissance du véritable Dieu. The knowledge of the true God. C'est dans les moments sombres it is in this dark que Dieu nous est réellement présenté. Where God is really presented to us. Ce que David a fait après what David did afterwards, pour récupérer l'arche to take back the ark, dépendait de la connaissance de Dieu qu'il avait. Depended on the knowledge of God that il pouvait se dire he could have thought, je sais là où Dieu est là. I know where là où God, Dieu m'a pris. I know where God took me from. Psaume 89, Psalm 89 verset 20, verse 20 21. To 21. Je élevais David. I elevated David. L'original dit ceci. It says, in the original, it is said éduqué. This. I educated, I prepared celui que j'ai pris au milieu du peuple. The one that I chose amongst the people. Il était un homme de rien. He was a man of nothing. Je l'ai élevé. And I elevated tu sais, him. Quand tu connais la souffrance qui est endurée. You know when you know the sufferings quand that you've gone through. Quand tu sais d'où tu viens. When you know where you came from. Tu vas développer quelque chose. You will develop something vous of savez God. Des gens comme Jean-Baptiste. You know people like John the Baptist. Pour qu'il accepte.
for him to accept ce que Jésus avait dit. What Jesus said. Allez lui dire, les boiteux marchent. Tell him that the cripples walk. Les aveugles voient. The blind see. Il n'a pas haï le Seigneur, faut connaître Dieu. He did not hate the Lord. In that case, you have to know Jesus. Christ. To be like Jesus. On vient l'arrêter. To be like Christ. Ayant la puissance de dire. That was arrested. He that had the might to say. Qui cherchez-vous? Who are you looking for? La Bible déclare ceci. The Bible declares this. Ces gens-là ils reculèrent. These people were going backwards. Et ils tombaient. And they fell. Mais après. But afterwards. Pierre coupe l'oreille de Malchus. Peter cut the ear of Marcus. Mais Jésus remet l'oreille. But Jesus takes back the ear. Il dit c'est leur temps. And it said and he said ils it's their m'arrêter. Time. They have to arrest me. Il faut connaître Dieu. You have to know God. Jean chapitre 5. John chapter 5. Je crois le verset 17 ou 18. I believe verse 17 or 18. C'est que le Fils fait. What the Son does. Il l'a vu le Père. He saw the Father doing. Verset 39. Verse 39. Jean chapitre 5. John chapter 5. Vous sondez les Écritures. You seek the Scriptures. Vous croyez en elles avoir la vie. You believe that through it you will have the life. Les Écritures ne parlent que de moi. But the Scriptures talk about me. Mais c'est lui sur qui les Écritures s'est reposées. But the one on which the scriptures rest on. On l'a tabassé comme une vulgaire personne. He was flogged like just any person. Afin qu'il soit une offrande. For him to be an offering. Une adoration. A worship. Au devant de Dieu. In front of God. Il s'est mis à la place d'un serviteur. And he put himself as a servant. Plutôt qu'à la place d'un ayant droit. Instead of one that is in power. David réalise d'où il vient. David realizes where he comes from. Il dit, from. Je dois récupérer l'arche. And he says, I have to take back the première ark. Mention. Firstly, il pense à récupérer l'arche. He thinks about taking back the ark. Chronique chapitre 15. First Chronicles 15. Verset 15. Verse 15. Qu'on a lu. That we just read. On nous montre que. We're shown that. En réalité. In reality. Lorsqu'on avait pris l'arche. When he took back the ark. Pour la seconde fois au temps de David. For the, by David. Les sacrificateurs l'ont porté sur les épaules. The priests were holding it on their shoulders. Selon ce que Moïse avait enseigné. According to what Moses taught. Mais l'arche. But the ark. Quand même Moïse. Even when Moses. Avait eu la révélation du tabernacle. Had the revelation of the tabernacle. Dans Exode chapitre 25. In Exodus 25. Au verset 9. Verse 9. Dieu lui dit ceci. God tells him tu this. Feras le tabernacle. You will build the tabernacle. Selon les modèles. According to the model. Que je te montrerai. That I will show to ou you. Ou que je te montrerai. That I will show you. Moïse quand il a fait les tabernacles. And Moses as he did the tabernacle. L'arche était à l'intérieur. The ark was inside of it. Mais Moïse n'avait pas reçu la révélation. But Moses did not have the revelation. Que l'arche. That the ark. Était un objet d'adoration. Was the object of worship. Moïse. Moses. Reçoit la révélation du tabernacle. Receive the revelation of the tabernacle. Comme la tente d'assignation. Just as the tent. Qu'on appelle en grec horel. That is called in Greek horen. Le lieu de rencontre. The place of encounter. Le lieu de rencontre. The place of encounter. Entre Dieu et les hommes. Between God and man. Alors. So, c'était une maison portative. It was a house that can be quand moved. Ils le prenaient, when they would take it, ils le portaient dans les déserts. They would carry it in the desert. La présence de ce tabernacle. And the presence of that tabernacle symbolisait la présence de Dieu. Would symbolize the presence of God. C'est pour cela. And that is dans why. 1 Samuel chapitre 4. In 1 Samuel 4. Les enfants d'Eli les sacrificateurs. The children of Eli the priest. Ils sont partis combattre. They went to fight. Et quand ils sont partis combattre. And when they went to fight. Ils ont pris l'arche. They took the ark. Parce qu'ils ont dit c'est la présence de Dieu. Because they thought that's the presence of God. Ça va nous amener la victoire. And it will bring us victory. Mais David ne reste pas sur cette révélation. But David did not stay on that revelation. David va plus loin. David goes further. En Pierre 1. Now in 1 Peter 1. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Alléluia. Alléluia. On a dit les prophètes. It is said the prophets qui ont prophétisé. That prophesied. C'est-à-dire qui ont prédit l'avenir. That said they predicted the future. Qui ont touché les choses qui arriveront dans la suite des temps. That touched the things that would happen in the future. Ici les prophètes qu'on est en train de here parler. Here the prophets that we're talking about. Ce sont des prophètes de l'ancien temps. These are the prophets of the ancient times. Pas de la nouvelle alliance. Not of the new covenant. On a dit ils ont prophétisé. It is said that they prophesied. Touchant la grâce. Touching the grace. Ils ont fait de ces saluts. And they did of that salvation. C'est quand même bouleversant. It is a bit strange. Touchant la grâce. Touching the grace. Ils ont fait, on veut dire en réalité, ils ont fait de cette grâce. In reality, they should have said they did out of this grace. Mais ils ont dit. But they ils said, ont fait de ce salut. They said out of this salvation. Pourquoi? Why? Le salut est une portion. Because the salvation is qui vient a portion de la grâce. That comes from the grace. Nous sommes sauvés par la grâce. We are saved by grace. Au moyen de la foi. Through faith. Et du fait que nous sommes sauvés. And because we are saved. Nous avons reçu des saluts. We received salvation. Donc.
So, quand on parle du salut, when we're talking about salvation, le salut représente la grâce. Salvation represents grace. Alors ils ont dit ceci. So it is said this. Les gens qui ont prophétisé, those that prophesied, ils ont vécu dans l'ancien temps. They lived in the ancient times. Ils ont annoncé des choses, and they announced things. Mais ils ont touché la grâce. But they touched the grace. Or la grâce, but that grace, est venue, came, par Jésus, through Jesus. Attention. Careful. La Bible dit, the Bible says, la grâce, the grace, est venue, came, parce que c'est une personne. Because it is a person. La grâce est venue par Jésus. Grace came through Jesus. Maintenant, quand ces gens-là prophétisaient, but now when these people were prophesying, ils voyaient ce que Christ désirait. They saw what Christ desired. Mais qu'est-ce que Christ a désiré? But what did Christ desire? Il a dit à la femme samaritaine. He said to the woman at the well. L'heure vient. The time has come. Elle est déjà venue. And already came. Où les vrais adorateurs, where the true worshippers, doivent adorer en esprit et en vérité. Will worship in spirit and truth. Ce sont des adorateurs. It is the worshippers que le Père recherche. That the Lord, that the Father is looking donc, for. Donc le Seigneur. So the Lord, quand il parle avec la femme when samaritaine, when he spoke to the woman of, at the well, il a expliqué, he explained, les désirs du Père, the desire of the Father. Maintenant, David, now David fait partie de ces gens-là, belongs to these people qui ont prophétisé, that prophesied, comprenant ce que Christ allait enseigner, while understanding what Christ non would teach, à la femme samaritaine, not only to the woman at the well, ça allait être un avantage pour nous, but it would be an advantage for us. Dans Jean chapitre 4, in John chapter 4, verset 23, verse 23, mais l'heure vient, the time has come, il est déjà venu, and already où came, les vrais adorateurs, where the true worshippers, adorons le Père en esprit, will worship the Father, et en vérité, in spirit and truth. Écoute la fin. Listen to the end. Car ce sont les adorateurs, because it is worshippers, que le Père demande, that the Father demands. Donc Dieu, so God, cherche des vrais adorateurs, is looking for true worshippers, qui vont adorer en esprit, that will worship in spirit, et en vérité, and truth. Maintenant, now, quand David, when David, prend l'arche de l'alliance, takes the ark of the covenant, il veut l'amener, and wants to take it, dans la cité de David, in the city of David. C'est une bonne intention. It is a good intention. C'est ce que nous avions lu maintenant dans 2 Samuel chapitre 6. It is what we read in 2 Samuel 6. Il prend l'arche. He takes the ark. Ça devait être porté sur les épaules des sacrificateurs. It had to be carried on the priest's shoulders. Je vais vous raconter une histoire. And I will tell you a story. À l'église où je me suis converti, in the church where I was converted, il y avait un frère, there was a brother, qui avait l'habitude d'aller oindre la salle de l'église. That was used to anoint the church hall. Tous les dimanches à 6h du matin. Every Sunday at 6 a.m. Ce frère-là, and that brother, selon peut-être nous, according to us, selon peut-être moi, according to me, selon maybe, peut-être un ami qu'on était ensemble, Baya, according to a friend of ben mine, Rema, Baya, or Ben Rema, ou Richard, or Richard, on pouvait dire que, we could have said il n'est that pas assez digne pour le faire. He is not worthy to do it. Mais c'est lui qui le faisait. But he was the one that was parce doing it. Parce qu'il avait l'onction it, pour ça. Because he was anointed for that. Quand ils ont amené l'arche, when they took the ark, ça devait être porté sur les épaules des sacrificateurs. It had to be buried on the shoulders of the priests. On a pris un char, and we took a char, qui était conduit par le bœuf, that was conducted by animals. On a posé l'arche, and the ark was put on it. Et du coup, and tous les mouvements des bœufs, all the movements of these animals, l'arche, could put the ark in disbalance. Penché, and when the arch was unbalanced, il y avait un homme qui s'appelait Uzzah, there was a man called Uzzah, qui était aussi dans la cortège, that was also il a there. Aider Dieu, and he wanted to help aider God, l'arche, to help the mais il ark, n'avait pas l'onction pour ça, but he was not anointed et for il était that. Mort. And he died. Et David, ça l'a impacté. And David was impacted. Deux dimensions. On two dimensions. La première dimension, first dimension, David réalise. David realizes que l'arche, that the ark, cache un mystère, hides a mystery. David, il fut irrité. He was irritated. C'est-à-dire, il fut irrité. He was irritated. Par rapport déjà à la manière dont il a fait des choses. Because of the way he did things. Il s'irrite contre lui-même. He was irritated against himself. Il dit, il faut que je réfléchisse. He said, I have to pour savoir comment j'amènerai l'arche chez moi. To understand how I can bring the ark to me. C'est ce que les gens n'arrivent pas à réfléchir. And it is the things that people cannot think of. Quelque chose t'arrive. Something happens mais tu n'arrives to you, pas à réfléchir. And you fail to qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner. Think to see what God wants to teach you. Ça c'est la maladie des chrétiens d'aujourd'hui. And that is the sickness of the Christians of today, siècle. Of the 21st century. David il prend l'arche. David takes the ark. Il le laisse dans la maison d'Obed. And puts it in the house of Obed. Pendant 3 mois. For 3 months. Il réfléchit. And he thinks. Mais pendant qu'il réfléchit. And while he's thinking. Il ne croise pas les bras. He does not just fold his arms. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? You know what he did? Il a préparé une place pour l'arche. He prepared a place for the ark. En réfléchissant. While thinking. Pour changer les modèles. To change the model. Pour transporter l'arche. To carry the ark. Il y a deux choses.
There were two things. La première des choses, firstly, si c'était toi et moi, on allait abandonner. If it was you and me, we would just abandon. Ça n'a pas marché, j'abandonne. It did not work, so I will abandon. L'échec n'est pas la finalité. But you know, failure is not the end. Tu peux faire quelque chose, tu échoues. You may fail. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. But it doesn't mean that God is not there. Beaucoup de personnes mettent la croix dans leur vie. A lot of people put a cross in their life. Quand ils font quelque chose qui n'a pas marché. When they do something that failed. Or, une chose peut ne pas marcher. But a thing may fail. Ça nous permet de pouvoir être enseignés. But it allows us to be taught. D'emmagasiner les connaissances. To carry knowledge. Pour le faire bien. To do it well. C'est ce que David a fait. And it is what David did. Il a récupéré l'arche. He takes the ark. Une bonne intention. A good intention. Mais comment David pouvait avoir? But how could David connaître l'impact? How could David qui s'est reposé dans l'arche? Know the impact that was on the ark. Obed. He left it with Obed. À ce temps-là. And at that time. Les commentateurs ont dit. The commentators say. Et Obed-Edom. Obed-Edom. Avait des problèmes dans sa maison. He had problems in his house. Et pendant les trois mois. And for three months. Ils ont été bénis. They were blessed. Les problèmes ont été résolus. And the problems were solved. À cause de la présence de l'arche. Because of the presence of the ark. Et on vient dire à David. And we came to say to David. Combien Obed était béni. How Obed was blessed. But the ark. Ne pouvait pas aussi rester chez Obed longtemps. Could not stay with Obed for too long. Sinon l'arche tuerait Obed. Otherwise that ark would kill Obed. Parce que Obed. Because Obed. N'était qu'un Lévite. Was only a Levite. Il n'avait pas l'onction. He did not have the anointing. Pour garder l'arche chez lui. To keep the ark with him pendant très longtemps. For too long. De la même manière que ça a changé sa in vie. The same way that it changed ça pouvait his aussi life. Désorganiser sa vie. It could also disorganize si ça continuait à rester auprès de lui. If it continued to stay with him. Pour laquelle and that is the reason why dit, the commentators say quand on a amené l'arche, when the ark was taken Obed ainsi que les gens de sa famille, and the people of his family ils ont fait 4 jours they did 4 days sans rien faire. Where they did not ils do anything, they would just look at the ark without doing anything. They would they were astonished because they et knew the value of the ark. And that ark, la présence de Christ. It was the presence of Christ. Mais pour décoder ce mystère, but to decode that mystery, il a fallu que sa mentalité that his mentality puisse toucher la grâce. Had to touch the grace. Comme Pierre l'a dit. Just as Peter said, l'arche the ark peut symboliser moi. Can symbolize me. L'arche the ark can symbolize myself. The ark à un moment donné pour David, at some point for David l'arche était Jonathan. The ark was Jonathan. La présence de Jonathan, the presence of Jonathan était le chemin de la royauté. Was the path to royalty. À un moment donné David, at some point David lui-même, himself dans 1 Samuel chapitre 17, in 1 Samuel 17 il symbolisait l'arche à Israël. He was symbolizing the ark in Israel. Quelque chose qui peut apporter la bénédiction. Something that brought a blessing. Or, la chose qui peut apporter but la bénédiction thing that could bring a blessing mérite la célébration. Deserves a celebration. L'honneur. The honor. Et David comprend ce mystère. And David understood that mystery. Il amène l'arche. And he takes the ark. Quand il amène l'arche. And when he takes the ark. Le texte que Ornella vient de lire. In the text that Ornella just read. 1 Samuel chapitre 6. 1 Samuel 6. La Bible dit ceci. The Bible said. Lorsqu'ils ont fait 6 pas. When they did 6 steps. Ils ont sacrifié. They sacrificed. Un bœuf. A beef. Et un veau gras. And another animal. Mais les commentateurs disent ceci. But the commentators la distance entre la maison d'Obed. The distance between the house of Obed. Et la cité de David. And the city of David. Était de 15 kilomètres. Was of 15 kilometers. Maintenant calculez 15 kilomètres en mètres. Now calculate those 15 kilometers. Un kilomètre égale combien de mètres? How much is a kilometer worth? 1000 mètres. It is 1000 meters. Maintenant, faisons un peu la mathématique. But now let's on do a bit of math. We have to take 1000 multiplié par 15. Multiplied by 15. Ça nous donne 15 000 mètres. And it gives us 15,000 meters. Chaque 6 pas maintenant. Now every 6 steps. Un pas. So one step. 1 mètre. 1 meter. 6 pas. 6 steps. 6 mètres. 6 meters. Donc, so, on doit prendre 15 000. We have to take 15. Divisé par 6. Divided by 6. On va voir la réponse. And we will have the answer. La réponse là. That answer c'est le nombre d'animaux will be the numbers of animals divided by 2. 15 000. Now 15,000. 15 000. 15,000. Divisé par. Divided. 6. By 6. 2500. 2,500. 2,500 bœufs. So now 2,500 beefs. 2,500 veaux. And 2,500 veals. Pour amener l'arche. To bring the ark. Jusque dans la cité de David. To the city of David. Or Dieu. But God. Aime les sacrifices. Loves sacrifices. Et quand David. And when David. Faisait cela. Was doing this. Lorsqu'on faisait les sacrifices. When we were doing the sacrifice. En réalité. In reality. On devait placer l'autel. We had to place the altar. And when the altar is placed, on pose l'animal. We put the animal on et quand it. On pose l'animal, and when we put the animal on it, les bois, we have to take the y wood. Avait les sacrifices.
and there was the sacrifice. Où on mettait le feu. Where we would put the fire. Il y avait des sacrifices. And there was sacrifices. Où on mettait pas le feu. Where no fire le feu devait descendre du ciel. The fire had to come from heaven. Pour consumer le sacrifice. To consume the sacrifice. Ça a été le cas. And that was the case. Lorsqu'on a annoncé la naissance. When we announced the birth. De Samson. Of Samson. Le sacrifice a été consumé. The sacrifice was consumed. Without putting any fire. 1 Kings 18. In the times of Elijah. Il met l'autel. Elijah puts the altar. Il met le bois. And he puts the wood. Il demande de l'eau. And he asks for il water. Il mouille le bois. And he puts water on the wood. Normalement, ça ne peut plus prendre feu. Now, in normally, it cannot. Il se lève. The fire cannot light up. Dieu. And he rises and quand he prays to God. And when he cries Dieu to God, le feu, God prepares the fire. Consume l'autel. And the fire consumes the altar. Consumé, and the sacrifices is consumed. Monte. And the vapor comes. Alors David. So David, à chaque sacrifice, to each sacrifice, quand il voyait la fumée monter, when he saw the steam rising, je ne sais pas s'ils avaient mis le feu, I don't know if they put any fire, or if ciel. The fire came down from mais heaven. Dans les deux cas, but in both cases, il faut que la fumée monte. The steam has to rise. Et quand la fumée monte, and when the steam rises, là où on est, where we are, on sent la présence we de can Dieu. Feel the presence of David God. S'est dit, and David thinks, Dieu est là. God is here. Il se met à danser. And he starts dancing. La Bible dit, and the Bible il says, était revêtu de l'éphod de lin. He was wearing the ephod. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un ephod de lin. On continue. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. La suite. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Écoutez, listen, voyez you dans see, cette joie, in this joy, parce que David sent. Because David Obed feels, a été béni. Obed was blessed. David était marié à la fille de Saül. And David was married to the daughter savez, of Saul. You know. Il avait posé la question. He asked. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera Goliath? What will be given to the one that will kill Goliath? On devait lui donner une femme. He had to be given a il wife. Devait devenir gendre du roi. And he had to be the gender c'est of the king. Fille, and it is that mais, girl. Ce jour-là, but that day, cette fille, that woman, a été frappée de la stérilité. She was unfertile. Dans 2 Samuel 6:23. We're in 2 Samuel 6:23. Or Michal, fille de Saül, so Michal, a daughter of Saul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Did not have any children until her death. Écoutez. Listen. Ici, nous savons très bien que nous sommes à un temps où David. Ici. Here, il a plus de 37 ans. He was over 37 il est devenu years roi old. À 37 ans. He became a king at 37. Quand il avait demandé. And when he asked. On donnera quoi à la personne qui tuera? What will be given to the person that will kill? Goliath. Goliath. On lui avait dit qu'il deviendra le gendre du roi. He was told that he will be the step. Mais Saül avait pris Michal. And Saul took Michal. Il lui avait donné à quelqu'un d'autre. And gave her to someone else. Quand David est devenu roi. And when David became a king. Il a récupéré sa femme. He took back his wife. Quand David était à Hébron. And when David was in Hebron. Vous savez, il avait deux femmes. You know, he had two wives. Il y avait Abigail. There was Abigail. La femme de Nabal. The daughter of Nabal. Et une autre femme. And another woman. Donc celle-là était la troisième. So this one was the en réalité, third. Devait être la première. In reality, she was to be the first. Maintenant, ça sous-entend. Now we can comme suppose on a dit, that when it was said, qu'il n'a pas eu d'enfant jusqu'au jour de sa mort. That she did not have any children until her death. Les commentateurs ont dit the que commentators said this, cette femme était frappée de stérilité depuis ces jours-là. This woman was cursed on that day. Parce qu'il méprisait. Because she despised l'attitude d'un adorateur. The attitude of a worshipper. Qui adore Dieu en esprit en vérité. That was worshiping in spirit and in truth. Qui a compris la volonté de Dieu. That understood the will of God. Maintenant, quel est l'impact de ces now, choses? Now what is the impact of these things? Israël avait perdu l'adoration. Lost worship. Il y a des saisons où and there are seasons l'adoration where n'existe plus. The worship did not exist bien aimé dans le Seigneur. Beloved in la Bible déclare ceci. The Bible declares au temps d'Élie, in the times of Elijah, le véritable parole, the true words, le véritable vision, the true visions étaient rares. Were rare. Il n'y avait pas de vision. There were no visions. Il n'y avait pas de révélation. There were no revelations. Au temps d'Élie le sacrificateur. In the times of Elijah the péché. The priest. Au temps de Saül. Because of sin. Il n'y avait pas l'adoration. There was no parce worship. Parce que tu adores. Because in order tu to worship. Tu dois adorer en esprit en vérité. You have to worship in spirit and in truth. L'adoration en esprit. The worship in spirit. C'est ton esprit. It is your spirit. Qui se connecte à l'esprit de Dieu. That connects to the spirit of God. L'adoration en vérité. And the worship ça in se truth. Fait sur base de la connaissance. It is based on the knowledge. Que tu as de la parole. That you have of the word. Qui te permet de savoir qui est Dieu. That allows you à cette époque, at that time, les commentateurs the commentators ont estimé les richesses de David. They estimated the richness of à David 70 millions. To 78 millions. À 70 millions de dollars. To, sorry, 68 millions of dollars. Le bien de David. The goods of sans David. Compter ce qu'il pouvait avoir liquide. Without what we can count as his et cet homme-là, cash. And that man, il se laisse he allows himself dans la to go de Dieu.
in the presence of Mais God. Le but, c'est quoi? But the aim is what? David voulait nous montrer à ses contemporains. David wanted to show to those that lived in his generation. Comment être devant Dieu? How to be in front of God. La simplicité. To be simple. Et que tes problèmes. And that your problems, les réalités de ta vie, the realities of your life, n'ont rien à voir avec Dieu. Do have nothing to do with God. Mais qu'est-ce que David fait? Well, what does David do? David, en faisant cela, David, while doing il est en this, de remettre quelque chose, it is putting something qui n'existait plus en Israël. Back that did not exist C'est là in Israel où je disais anymore. Le dimanche. And that's what I said on Sunday. Qu'est-ce que tu nous amènes? What do you bring us? Quand tu viens dans une église, when you come to a church, tu dois nous amener une chose nouvelle. You have to bring something Quand new. Quand tu es membre d'une église, when you are a member of a church, amène-nous des choses nouvelles. Bring us something new qui va nous édifier. That will edify us. Amener la chose nouvelle. To bring something new. C'est comprendre la vision. It is to understand the vision. Un laps de temps. For a during a slow David time. David sait qu'il a amené. What David took. C'était pas nouveau. It was not new. C'était dans le cœur de Dieu. It was in God's heart. Abel était mort avec ça. Abel died with it. Qui a enseigné à Abel? Who taught Abel? Que l'offrande il devait donner à Dieu? That the offering that he had to give to God. Pour que Dieu puisse la griller. What offering he had Mais to give to God? Mais qui avait mal enseigné à Caïn? But who taught wrongly to Cain? C'est le problème de l'intelligence renouvelée. It is the problem of the renewed mind. Qu'est-ce que tu nous amènes? What do you bring to us? Vous allez remarquer. You will notice. Dans nos églises. In our churches. Nous avons des gens qui nous créent plutôt des problèmes. We have more people that bring us problems. Par leur façon de réfléchir. Because of their way of thinking, leur façon d'agir, the way they behave, leur façon de faire, the way they act. Et après, on dort pas. And after that, we lack D'un côté, sleep. On one hand, ils se moquent de nous. They make fun of us. Comme Michal s'est moqué de David. As Michal had made fun of David. Dieu nous a appelés à aller de l'avant. But God called us to go forward. Mais comment aller de l'avant? But how should we go forward? Romains chapitre 8. Romans 8. 18 à 20. 18 to 20. La création. The creation. Attend avec un ardent désir. Waits ardently. La compréhension. The understanding. La révélation. The revelation. Le Fils de Dieu. Of the sons of C'est-à-dire God. C'est-à-dire la création. Which means the creation. A été soumis à la vanité. Was submitted to vanity. Tes problèmes. Your problems. La situation difficile. The difficult situation. Là, it are mais there, attaché quelque part. But attached somewhere. C'est comme cet agneau là. It is like that. Qui était attaché. That was attached. Le Seigneur a dit. The Lord vous said. Vous entrerez dans la ville. You will enter quand vous allez the entrer. City, and when vous you will enter, agneau attaché. You will see a lamb cet agneau, there. Cet agneau là. And that lamb. Excusez-moi, c'est un âne, pardon. Sorry, it is another animal. Cet âne là. That animal. C'est une bénédiction pour moi. It is a blessing for mais me. Mais pour la voir. But to je dois it. Connaître là où cet âne. I have to know where that Jésus is located. And Jesus said, go pas into the city. Quelle ville. Not just any Il city. A donné une précision. He gave a precision. Il a dit, la loi est attachée. He said that bien-aimé, ta bénédiction the animal is semble être attachée. Your blessing tu might dois be attached. Aller détacher you have to go and detach par la voyance que tu dois avoir. Through the voyance that you have du to lieu où ça se trouve. Of the location where it is. Et comme ça, Satan and without it, sera une bénédiction pour toi. It will be a blessing et for tu you. Monteras dessus. And you will go on it. Ton miracle est là. Your miracle ton is there. CDI est là. Your, ta prospérité est là. Your prosperity ta maison is there. Est là. Your house ta promotion is there. Est là. Your promotion ton succès is there. Est là. Your success ton ministère is there. Est là. Your ministry mais le problème is there. C'est quoi? But the problem is what? Ce ministère. That ministry. Cette bénédiction. That blessing. Cette gloire. That glory. Est attachée. Is attached. Mais pour que ça soit détaché. Before it to be tu dois detached, connaître les lieux. You have to know the et location. Et avoir les gens. And to have qui people. Qui doivent aller te les chercher. That will go to take it. Pour qu'ils te l'amènent. For you to take comme it to you. Comme ça quand tu monteras dessus. So when you will climb on on va acclamer pour toi. Who will clap for you? Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. L'église est impolie. The church is la Bible déclare ceci. The Bible says this. Il y avait une femme. There was a woman. Écoutez Luc chapitre 10. In Luke 10. 38 à 42. 38 to 42. Il y avait une femme. There was a woman. Qui s'appelait Marthe. Called Marthe. 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 La Bible dit. The Bible says. A fait venir le Seigneur chez lui. She asked God le Seigneur the Lord est arrivé. To her house. And the Lord pendant came. Que le Seigneur est arrivé. And while the Lord came. Marthe ne savait pas. Martha did not know. Qu'est-ce que le Seigneur veut? What the Lord wanted. Elle se met à faire à manger. She started doing elle se food. Fait à faire des choses à côté. She started doing other pendant things. Que sa sœur Marie while her sister Mary est en train de parler was talking avec Jésus. With Jesus. Marthe est venue Martha came faire des reproches and she was doing à reproaches Jésus. To Jesus. Il dit Seigneur, she said, Lord, Maître, Master, ne vois pas que do you not see ma sœur doit venir m'aider. That my sister is supposed Jésus to help lui a répondu. And Jesus replied to her, ta sœur, your sister, a choisi la bonne part. She chose the good part. Le problème de Marthe, c'était quoi? The problem of Martha Marthe was what? Était impolie. Martha was
was rude. Elle n'était pas éduquée. She was not nous educated. Avons des gens impolis. We have people that dans are nos églises. In our churches. C'est pour cela le maître. And that's why the master doit les éduquer. Has to educate them. While telling de choisir la bonne part. Choose the good je suis part. Ici. I am here. Comme un éducateur spécialisé. Like a specialized educator. To bring you vraie adoration. To a good worship. Là, tu vas atteindre le niveau. And when you will reach the level. Qui Dieu est. To see what to understand tu who God qui is. Est Dieu. And when you know who tu God seras is, me respecter. You will not les gens qui ont essayé de me toucher. Those that try to touch Dieu me. L'a touché. God touched ne me them. Touche pas. Do not parce touch que je me. Ne te toucherai pas. Because I will not quand touch tu me you. Touche, when you touch tu seras me, touché. You will be touched. Tu seras Michael. You will be Michael. Je veux dire à quelqu'un I ce soir. I wanted to say to someone vous tonight. Êtes béni. You are blessed. Vous ne pouvez pas être maudit. You cannot be cursed. Refusez la malédiction. Refuse to be cursed. Parce que Dieu veut votre bénédiction. Because God wants your blessing. Il veut. He wants. Que vous puissiez être comme Marie. He wants you to be like Mary. Que tu as raté l'éducation à la maison. That you lacked your education at home. Ce n'est pas de ta faute. It is not your fault. Ce n'est pas grave. It doesn't matter. Ne te condamne pas. Like parce que tu n'as pas eu de parents. Because you did not have parents to educate you. Mais je voulais dire à quelqu'un. But I wanted to say to someone. Dans cette assemblée. In this assembly. Je suis en train de continuer. I am continuing. À être éduqué. To be educated. Raison pour laquelle. And that is the reason je why. Je te transmets. I'm transmitting cette éducation to you céleste. These, cette éducation. The heavenly education. C'est la reconnaissance de Dieu. It is va chercher l'arche. Va chercher l'arche. Take the ark. 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 L'arche c'est l'amour. The ark is love. L'arche c'est la paix. The ark is l'arche c'est la communion. The ark is l'arche c'est le pardon. It is forgiveness. Pierre pose la question. Peter asks. Combien de fois? How many times? Tu dois pardonner à ton frère. Should we forgive to our brothers? Combien de fois? How many times? Tu dois pardonner à ta sœur. You have to forgive your sister. La Bible déclare 77. 77. 67. Times 7. Écoutez-moi. Listen to je me. Je le dis comme un prophète. I wanted to say as a prophet. Si tu te repens. If you repent. Maintenant. Now. Tu as ton CDI devant. You will have tu your as bénédiction devant. You will have your permit. Tu as ta maison devant. You will have your house. Tu as le succès devant. You will have success le ministère ahead. Est devant toi. The ministry est là. Your miracle ton CDI est là. Ta prospérité est là. Ta maison est là. Ta promotion est là. Ton succès est là. Ton ministère est là. Mais le problème c'est quoi? L'église est impolie. Nous avons des gens impolis. We have people that dans nos églises. In our churches. C'est pour cela le maître. And that's why the master doit les éduquer. Has to educate en disant while telling de choisir them, la bonne part. Choose the good je suis part. Ici. I am here. Comme un éducateur spécialisé. Like a specialized educator. To bring you to a good worship. Là, tu vas atteindre le niveau. And when you will reach the level. Savoir qui Dieu est. To see what to understand.